l'équipe, on a fait le petit tour du véhicule ensemble et maintenant suivez-moi pour suivre les détails de la transaction. Salut l'équipe, moi c'est Jimmy, gérant de la Cdiscount Auto Pare-brise, vous me reconnaissez pour la plupart et pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés du succès qui pour moi feront votre réussite dans le futur. Et c'est ce que j'ai vu chez vraiment énormément de personnes qui ont réussi et qui se développent. Et je vais vous le donner ici et maintenant. Donc pour moi, la plus grosse clé du succès aujourd'hui, c'est de réinvestir son argent. Et quand je dis réinvestir son argent, c'est j'ai gagné des sous sur une voiture. Si je veux, après on peut se faire plaisir, attention, mais on se fait plaisir au bout de la 5e, 6e, 7e vente. On ne sait pas, j'ai vendu une voiture, j'ai gagné tant d'argent, j'ai gagné 1000 euros, j'ai gagné 2000 euros. Je prends un billet, je pars en vacances, je pars en week-end, je sors en boîte avec les amis, je vais au restaurant. Non les gars, l'argent c'est très très important, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il faut absolument réinvestir son argent. Surtout nous dans l'automobile. Moi aujourd'hui quand j'ai commencé, ben, je vendais une voiture, je gagnais 1000-1500 euros dessus. Je me disais, ben voilà, l'objectif c'est que je trouve une voiture à 500 euros, à 1000 euros. Je réinvestis, donc je passe une voiture à deux voitures. Et le petit argent qui me reste en plus, ben voilà, c'est pour moi. Voilà. Si vous faites ça en tant que particulier, essayez de faire cette méthode-là. Moi je dis toujours, il faut réinvestir entre 70 et 80% de son argent gagné, minimum. Sincèrement, c'est primordial et c'est ce qui va faire que vous allez réussir et que vous allez gagner du temps, des mois et des années à l'avenir. C'est sûr et certain. Les gens que j'ai vu faire ça aujourd'hui, ils ont des parcs auto, ils ont commencé avec des parcs auto de 5-10 voitures, des dizaines de voitures, et ils ont aujourd'hui des 50, 60, 70, 100 voitures, même pour les plus anciens, des 300 voitures, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis un exemple concret où, ben, par exemple, aujourd'hui, le monteur ici présent, il m'a dit « Jimmy, c'est la première fois que je vois ton parc aussi plein » parce que, voilà, on vend, on rachète et on réinvestit tous nos sous dans notre entreprise. Et sincèrement, cet effet de levier en escalade, ça peut aller très, très vite, surtout dans l'automobile parce que vous faites des belles marges, vous arrivez à trouver des voitures qui sont pas très chères. Donc, vous pouvez facilement doubler, tripler votre parc auto. Donc, vous pouvez commencer avec 2-3 véhicules au début. Vous pouvez facilement être à une dizaine en quelques mois. Sincèrement, si vous gérez bien votre argent et que vous ne faites pas n'importe quoi avec, ça va aller très, très vite, croyez-moi. Et c'est aujourd'hui le plus important. Moi, au début, j'ai commencé à vendre des voitures derrière chez moi. Dès que j'ai eu un peu de sous d'avance, j'ai essayé de prendre un petit parc auto pour pouvoir stocker mes véhicules, avoir un petit bureau. Et de ça, on est passé à un autre un peu plus grand où il y avait une petite partie atelier. Et après, on est venu ici où on a une grosse partie atelier, où on a un gros parc, où on peut stocker énormément de véhicules, on a un plus grand bureau, etc. Donc vraiment, c'est pour vous, c'est pour le futur. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce qui m'a toujours fait gagner du temps et de l'argent. Et sincèrement, même si au début, vous serrez un peu la ceinture, entre guillemets, vous allez voir que les fruits de votre travail, ben, ça va être démultiplié par la suite. Et quelques années, voire quelques mois, vous allez vite vous en rendre compte. Donc vraiment, réinvestissez votre argent, c'est le conseil le plus important que je peux vous donner aujourd'hui pour évoluer rapidement. Voilà à tous, merci l'équipe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à liker, à vous abonner, et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.